Salut les goons, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler mercato. On va pas parler de joueurs parce que les rumeurs à l'Alexis Sanchez et d'autres joueurs, c'est quasiment impossible qu'ils mettent les pieds à Lyon. Franchement, les gens qui mettent des rumeurs comme ça, franchement, ça devient lourd. Ou vous dites des vérités et que c'est prouvé, etc. et que c'est vrai. Ou alors ne dites rien, c'est voilà, c'est un petit message pour tous ceux qui mettent des messages sur Twitter, et en plus c'est des gens certifiés qui racontent que des bêtises tout le long. Franchement, les gens-là, je sais même pas pourquoi ils ont autant d'abonnés sur Twitter. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc dans cette vidéo, on va parler de directeur sportif, et écoutez bien parce que là ça commence un petit peu à avancer au niveau de notre directeur sportif. On voit les pistes qui sont envisagées, celles vraiment vont être refroidies très très rapidement. Donc je vais vous en parler rapidement dans cette vidéo. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je pense que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde. Voilà, même les supporters qui sont un peu plus neutres ou voilà qui s'intéressent aux équipes adverses. Je pense que vous allez être intéressés par cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre l'abonnement, voilà, la cloche de notification. Voilà, c'est gratuit les gars, donc vraiment n'hésitez pas. Maintenant pour commencer la vidéo, on va parler du directeur sportif, en tout cas de plusieurs possibilités. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Là, Sébastien Denis, le spécialiste mercato de Foot Mercato, a dévoilé le projet un peu de Lyon. Voilà. En tout cas, les noms qui étaient associés au poste de directeur sportif. Il y avait, en tout cas, dans le lot, il y a Abidal, vous êtes au courant déjà. Il y a Bodmer, également, vous êtes au courant. Il y a Loïc Désiré, un directeur sportif de Strasbourg. Je crois que ça fait 1 ou 2 ans qu'on essaie à chaque fois de savoir quand est-ce qu'il veut arrêter à Strasbourg et prendre un club un peu plus huppé. Pour le moment, il est toujours à Strasbourg et il n'a pas l'air trop de vouloir partir. Mais Lyon s'intéresse également à lui. Et bien sûr, un autre directeur sportif qui est étranger, mais on n'a pas le nom. Mais en tout cas, Textor suit un directeur étranger. Moi, je préférerais qu'il soit français. Voilà. Ou en tout cas, qu'il parle la langue française. C'est toujours mieux. Après, on va voir ce qui va se passer dans l'organigramme. Pour Abidal, la piste semble vraiment refroidie totalement, presque. Parce que là, honnêtement, vu son passage au Barça qui a été catastrophique, le Barça commence seulement à se relever et c'est quand il est plus là. Donc, on voit que ça n'a pas été efficace. Donc moi je préfère prendre quelqu'un voilà, qui n'a pas connu trop d'échecs et beaucoup de positifs. Donc honnêtement Abidal, je pense que c'est une bonne chose qu'on l'ait pas gardé. Donc on clôt le débat là. Le poste de Loïc Désiré, je pense que ça peut être une bonne chose. Grosse saison l'année dernière. Là cette saison c'est un peu moins bon, mais après Strasbourg, ils n'ont pas des moyens illimités. C'est sûr que vous pouvez me dire ils auraient pu faire mieux. Lens, ça fait 2 fois qu'ils font 7e, là ils font 2e. Après Strasbourg, c'est peut-être pas non plus les mêmes finances, etc. Pas les mêmes pas la même positivité peut-être dans tout le club. Après, je sais que ça fait quand même 2 ans, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que Lyon le suit. Mais vraiment, ça n'a pas l'air de trop bouger. Mais en tout cas, il fait partie des candidats. Et la piste qui semble avoir bougé, c'est Bodmer. Parce que la dernière fois que je vous en avais parlé, les pistes et les visions n'étaient pas communes. Mais là, ça commence à bouger parce que du côté du Havre, il n'y aurait pas les moyens nécessaires pour lui permettre de travailler. S'il vient à Lyon, je pense qu'il y aura beaucoup plus de moyens. Et j'ai vraiment plus confiance en Bodmer qu'en les autres. Parce que quand il parle, on voit que c'est un gars posé, qui connaît quand même bien son sujet, etc. Et la phrase vraiment qui m'avait plu chez lui, c'est pas besoin d'avoir des grands moyens pour faire de grandes choses. Voilà, donc. Et on voit qu'avec le Havre, ils travaillent quand même pas mal parce qu'ils sont premiers, même malgré que c'est pas lui non plus qui est sur le terrain. Mais ils avaient quand même 10 points d'avance jusqu'à il y a quelques journées. Là, ça commence un peu à craquer. Mais il leur suffit d'un match nul pour être en Ligue 1. Et ils affrontent Dijon, je crois. Donc c'est pas compliqué de faire un match nul contre Dijon, je pense. Ils peuvent même gagner, c'est quand même une bonne équipe, le Havre. Ils ont fait premier quasiment toute la saison. Donc je pense que le travail de Bodmer y est pour grand chose. Et largement. Donc je pense que Bodmer, pour moi, ça peut être une des meilleures solutions. Je vois que tout le monde l'adore sur Twitter, etc. Donc beaucoup de monde, hein, vraiment, quand je vois beaucoup Bodmer, il est bon, j'aimerais bien l'avoir dans mon club, etc. Et pas que des Lyonnais, il y a beaucoup de personnes. Si on arrive à le déloger du Havre, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, j'attends votre avis dans les commentaires. Qui c'est que vous voudriez en DS, en directeur sportif à Lyon? Moi, honnêtement, si Bodmer ça se fait, moi je suis vraiment très très content. Je pense que ça peut coller avec la mentalité de Laurent Blanc. Ça a l'air d'être deux gars posés. Voilà, ils sont pas là, à mon avis, à se faire des. À s'insulter, par exemple, autour d'une table, etc. Je pense que ça peut être un bon duo qui pourra fonctionner. Parce que je pense que Bodmer, voilà, ça peut. C'est pas un nom clinquant, mais de ce qui sort, c'est vraiment quelqu'un qui est bosseur, voilà, qui veut travailler, qui veut réussir. C'est pas des gens qui s'autoproclament et qui font rien. Voilà. Donc, moi, honnêtement, je serais vraiment pour l'arrivée de Mathieu Bodmer et je vous tiens au courant d'ici les prochains jours parce que
Vu comment ça en a parlé aujourd'hui, je pense que ça peut encore s'améliorer. En tout cas, les positions peuvent encore plus se rapprocher. Et pourquoi pas vite conclure un accord pour préparer rapidement l'arrivée du DS, voilà. Et de préparer les travaux, parce que là, il y a des travaux. Il y a les retours de prêt. J'hésite à vous faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si c'est une vidéo pour tous les joueurs qui sont en prêt. Est-ce que vous voulez, selon mon avis, pour ceux qui partent et ceux qui restent? Ça peut être une vidéo intéressante, parce qu'il y a beaucoup de monde en prêt du côté de Lyon. Enfin, que nous, on a prêté, hein, je veux dire. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une vidéo comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs Bodmer, Désiré, Abidal et du DS étranger? Est-ce que vous avez une piste pour vous d'un DS étranger? Moi, honnêtement, il n'y a rien qui est sorti. Voilà, s'il y a un DS étranger que vous trouvez bon et que vous voulez peut-être à Lyon, voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars!